c'est une cachette secrète vraiment pas ouf. Et aujourd'hui, on va créer une vraie pièce secrète avec un système électrique. Et pour rentrer à l'intérieur, va falloir budget. J'avais déjà créé une pièce secrète à l'ancien Lox, mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va faire ça encore mieux. Et pourquoi je me fais autant chier pour que ça soit réaliste? Parce que à la fin, je vais faire venir des gens et il faut qu'ils trouvent la cachette secrète. Donc le but, c'est qu'ils ne la trouvent pas ou ils mettent beaucoup de temps. Les gars, pour la pièce secrète, déjà, premièrement, je veux pas que ce soit cramé. C'est normal, c'est le but d'une pièce secrète. Ici, ça va être un mur blanc de la même couleur que les placards. Ici, ça va être une télé encastrée. Par contre, quand tu vas prendre le petit badge et que tu vas bip quelque part dans la télé, le milieu de la télé va s'ouvrir et tu pourras rentrer dans la télé. C'est pas une dinguerie, ça? Ok, les gars, première mission, déjà, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont venir à la fin. Donc faut que ça soit clean, parfait. Regardez ici. Le problème, c'est que les armoires, elles sont trop petites. Du coup, ça touche pas le plafond. Du coup, c'est cramé. Donc, j'ai acheté du bois pour directement le mettre au-dessus. La même couleur que le placard. Au moins, ça va pas être cramé. Okay. Là, on tourne les placards parce qu'au début, je me suis dit, en fait, c'est un peu bizarre si les placards sont l'autre côté. Les gens vont se dire, mais attends, mais pourquoi il y a un placard retourné? C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Faut penser à tout. Et ici, il y a la porte. Donc, ça veut dire, les gens peuvent se dire juste, c'est un petit couloir. Donc, ça va. Déjà, premièrement, est-ce que on les a fait couper? J'espère que c'est bon parce que on est pour cher en bois. Là, si imaginons ça enlève. Oh, vous avez compris quoi? Ça va être comme ça. Les gars, là, du coup, on est en train de fixer le truc là-haut, là. C'est une galère. Mais pourquoi c'est trop long? Allez, Pio, qu'est-ce que tu fais? C'est beau! Non, c'est trop long? Oui. Non, non, c'est beau, Titi. Non. Ah, mais on a dû prendre l'autre. Et celle qui va de là à là? Mais oui, on a pris l'autre. Oh putain. J'ai acheté une télé tout à l'heure sur le bon coin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le cadre autour là. Que je vais mettre sur le mur. Comme ça, ça va faire une télé encastrée. Bien évidemment, les gars, la télé, elle est cassée. Je vais pas prendre une télé qui est pas cassée. D'ailleurs, j'ai le seum parce qu'elle est très grande, elle est très belle. Au début, on s'est dit, on l'a acheté sur le bon coin, on l'a testé. On s'est dit, mais en fait, elle marche. Mais en fait, après, non, elle marchait pas. Ok, les gars, on va dévisser la télé du coup pour pouvoir prendre les dimensions et commencer à faire là. Déjà, regardez. Regardez déjà. Là, ça ressemble déjà à une pièce. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, ça va être une pièce gaming. Il y aura la Switch, la PS5. On va se mettre bien. Est-ce que déjà, on peut l'enlever comme ça ou pas? Ok, tac. On a pris la meilleure télé. Wesh! Et bah voilà. Mais t'as vu, mais comment c'est hyper fragile. Sur les deux télés qu'on a testé hier, c'était grave solide. Quand par là, celui qu'on achète sur le bon coin, c'est de la merde. Bon bah, on va le coller. On va le laisser par terre dehors. Là, du coup, ça va être le mur qui va être directement ici, devant ça là. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer pour savoir où la télé va être. Et venez voir aussi, j'ai un truc à vous montrer. Nicolas, c'est quoi ça? Regardez, elle était la télé, les gars. Pendant que je suis en train de recoller ça, je le lève comme ça. Et là, Nicolas, quoi? Il se prend les jambes dedans. Et le truc, je vois cassé en 1000 morceaux. Je suis en mode putain. Donc, va falloir rattraper cette connerie aussi. Parce que si on voit que la télé, elle est cassée en 1000 morceaux, on va se dire, bon, c'est une fausse télé. Ok, là, c'est bon, ça peut près droit. Ok, ne bouge surtout pas. Vas-y mec, viens. Que c'est là, il a pas encore vu. Là, je vais jeter un petit coup d'œil. Pour l'instant, t'essayes de cacher l'entrée, c'est ça? Wesh, t'es sérieux là? Tu vas pas en haut tout ce qu'on a mis et tout là? Ah ouais, ah putain, c'est vrai que ça y était pas avant. Oh, rentre à l'intérieur, regarde, rentre à l'intérieur. Déjà, tu t'en as une petite pièce. Bah en vrai, on sent bien dedans. Oh là, ça, tu vas allumer, ça va être stylé. Ah, ah. Mec, j'ai un truc pour toi. Sérieux? T'as un truc pour moi? C'est quoi? Regarde, attends, j'arrive. Il a déjà de la déco pour moi, frérot. Oh, des kits LED. Des rubans LED. En plus, il y en a pour 20 mètres. Bah merci, père. Ça va faire une déco de fou. Bon, allez, on avance. On va mettre ça en place. Et après, on va aller à Action chercher le papier peint. Plus tous les petits trucs qu'on va mettre à l'intérieur de la pièce. Les gars, c'est bien là, quand même, là. C'est propre de fou, hein. Eh, mais on va rentrer là-dedans. Ça va être chaud bas, hein. Va falloir se plier, hein. Maintenant, on va mettre l'autre côté, qui a été cassé d'ailleurs. J'espère que ça va bien tenir, ça. Je crois qu'il passe toujours pas, quoi. Pour l'instant, là, ici, il y a le petit trou pour mettre la porte. Et là, après, à l'intérieur, bah, du coup, il y a tout ça, hein. Là, c'est bien tout fermé. Il y a Raph, on va y voir sa petite réaction. T'aimes bien ou pas? C'est bien fait, ça va? Ah, et là tu vas mettre Isab ou pas? Ouais. Tu vas mettre la télé? Ouais. Ah, bâtard, c'est stylé. T'as vu? Regarde en haut, on a tout fermé et tout. Même qu'on dirait vraiment, c'est les mêmes. Ok, franchement, hier j'étais un peu dubitatif. Ouais. Ça va être trop stylé. Ok, cool. Les gars, je suis revenu d'action. J'ai acheté plein de trucs. Je vous montre ça après. La petite déco et tout. J'ai carrément pris une caméra pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais avant ça, j'ai rien trouvé pour se poser et tout. Du coup, je décide de reprendre le canapé et de le mettre à l'intérieur. Oh, on a de la chance. Putain, on a même pas besoin de le démonter ni rien. Ouh, pour vous là, il s'est passé pas beaucoup de temps quand j'ai mis le canapé à l'intérieur. Et là, le problème c'est qu'on était tout content et tout. On essaye de mettre le cadran de la télé là-dessus. C'est trop petit. Et les gars, je suis en sueur. Il fait très froid. Depuis tout à l'heure, je m'acharne à couper. C'est dégueulasse. Les coupes sont dégueulasses, vous pouvez le voir. Parce que c'est horrible de couper la scie sauteuse avec un truc qui est comme ça. Ok les gars, on va tester. Ah, j'en peux plus. Putain, c'est encore pas bon. Allez, logiquement il y a ça et après c'est bon, j'en peux plus les gars. J'en peux plus. Bon vas-y, on met ça. Hop. Installation avec le double face. On va installer le cadre de la télé ici là. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va la rendre bien. Bon les gars, ça avance. C'est un peu compliqué parce que vu qu'en plus on a pété le cadre, de mettre ça dessus, c'est une galère les gars. Vous imaginez pas. Il est 21h49. C'est chiant. Le cadre, bah là il est en 1000 morceaux, il est mort. On se rend compte que c'est pas une bonne idée. Par contre, je viens de mettre ça et ça fait plaisir, ça réconforte un peu. Je viens de mettre l'écran du coup. Regarde en plus le système que j'ai mis du coup là. Hop, j'ai mis les petites charnières pour pouvoir ouvrir. Donc ça c'est cool, j'ai mis le petit système là. Ok les gars, on va appeler Seiya, on va mettre la caméra pour voir un peu la petite réaction, même si c'est pas du tout terminé. Seiya! Pourquoi ça sent
Wesh, non. Mais vous êtes où, bande de bâtards? Ils ont déjà fini. Ok. T'as vu, c'est bien l'intérieur. Hein. C'est une dinguerie. Bon, bah, j'ai loin d'avoir terminé. Hein. Ok les gars, deuxième jour, parce que hier j'en pouvais plus. Donc là, ce qu'on va devoir faire aujourd'hui, c'est attaquer, faire le tour de la télé, parce que vous l'avez vu, ça là, ça c'était la mort, ça je veux plus entendre parler. Donc là, ici j'ai pris ça, voilà, c'est du plastique, donc on va directement glisser ça. Ça fera bien le tour de la télé, on verra pas. Et la coupe de merde que j'ai fait, qu'on a galéré, ça vraiment c'était horrible, genre j'ai eu mal au bras hier soir. Et en même temps, on verra pas non plus l'écran qui dépasse, donc ça va être parti. On va le peindre en noir, mais évidemment, on va faire toutes les découpes et tout. Donc on fait ça, et après on se retrouve aussi pour le plus important, quand on va décorer à l'intérieur de cette pièce. Les gars, donc on se retrouve une fois qu'on aura bien fini le contour de la télé là. Let's go! Ok les gars, c'est bon, on va peindre les petits contours de la télé. On va galérer à les couper, mais ça va. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre et on va les accrocher. Et j'espère que ça va bien rendre. Bon les gars, moment de vérité, c'est bon, le cadre est fini. Fais gaffe, Pio, je ferme la porte. Vas-y, ferme, ferme. Là-bas, il y a un petit. Y a un petit vide. La petite pièce qui fait tout. Mais s'il te plaît, mets-le bien au centre, s'il te plaît. Bah, c'est là au centre, hein, je pense. Voilà, ah ouais, ça change tout. Non franchement j'aurais grave une télé là. Bon les gars, on est en train de remettre ça là. Écoutez-moi bien, truc de merde avec le bip bip bip. Je pense que ça va être mort, peut-être que demain si j'ai la déter je vais le changer. Je pense que ça va marcher qu'avec ce bouton là. Là je vais juste rebrancher ça là, on va tester avec le bouton pour voir si ça marche. Ok, je rentre à l'intérieur. Là les mains, regardez l'installation du futur les gars. Là il y a un cap là, dites-vous. C'est, vas-y branche, t'as branché? Ça aimante, mais pas beaucoup. Il y a un problème au niveau de l'aimant. C'est à cause de la vis, mais oui, il est pas collé. C'est sûr, c'est à cause de la vis. Bon, on va tester si le système marche bien. Donc là, il y a l'aimant ici. Dans la télé, vous allez voir, elle est beaucoup mieux mise. On va voir si le système d'aimant marche bien. Attention. L'aimant marche bien, on est enfermé. On est trop dans la pièce, mais on est enfermé. Ah, ça marche bien en tout cas, l'aimant. Ah, bâtard. Je suis content parce que moi, je vois si mon système il marche bien, si même aussi. C'est qu'il bouge carrément. On fait comment, on appelle CR? Après c'est là, ouais. Donc là c'est ici le bouton pour pouvoir sortir. On finit les petits ajustements encore et après on va passer à la déco. Mec, regarde ma nouvelle télé. T'aimes bien? C'est une télé quoi. T'en bats les couilles. Ouais. Je te montre ma nouvelle télé, regarde tout ce que j'ai fait. Frérot, il est 1h du matin. Attends, on se casse le cul. À faire un bête de coup. Attends, quoi ici. Attends. Et gros là on va mettre le canapé ici, frérot, on aura la petite télé devant. Là, je vais me dire qu'il y a juste une télé alors qu'il y a de la poussière partout. Oui. Ça pue la peinture. Et c'est hier, on va tout expliquer. Tu veux que j'overreacte? Non, une télé qui. Bon, là les gars, la partie la moins amusante, c'est le ménage pour tout clean. Là, il y aura tout à clean aussi, les armoires et tout. Donc, tout soit clean, tout soit bien. Bon, la petite présentation de la pièce secrète. Là, par contre, j'ai un peu clean, mais juste faut que je fasse le ménage. Mais logiquement, on avance bien là, c'est cool. Je compte sur vous pour mettre dans les commentaires si jamais vous avez des idées pour améliorer cette pièce secrète, soit en extérieur ou en intérieur. S'il y a des bonnes idées, peut-être que je ferai un épisode 2 pour vraiment avoir la meilleure pièce secrète possible. Maintenant, c'est parti pour mettre la déco. J'ai acheté plein de trucs à Action. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur de cette pièce secrète, je peux aussi ouvrir la porte. Donc, à l'intérieur, je vais pouvoir voir ce qui se passe de l'extérieur. Je vais pouvoir ouvrir de l'extérieur si je veux sortir, heureusement. Et je vais pouvoir ouvrir aussi les gens qui viennent devant le studio. Les gars, on va passer à la petite décoration du coup, ici, pour pas que ce soit trop cramé. Bon, du coup, petite horloge qu'on va foutre là, je pense. Je trouve que ça fait bien. C'est pas tout. J'ai acheté ça aussi. Ça, c'est des petits genres de tablettes carrées et qu'on va foutre des trucs dessus. Ok. La petite plante. Non, il a kiffé, regardez les gars. J'ai acheté une petite plante, il a kiffé de fou. Mec, je la trouve vraiment magnifique, la couleur du pot et tout. Comme je vous l'ai dit, la petite caméra du coup pour surveiller l'extérieur. Je vais essayer de la mettre. Je pense que ça va marcher parce que j'ai jamais réussi à faire marcher ce genre de caméra. Ça, c'est incroyable. Les gars, j'ai mis la petite cam là-haut là. La petite décoration c'est terminé, là j'ai mis la petite plante là. Viens à l'intérieur, je me spoil pas. Logiquement j'ai réussi à mettre l'application avec la caméra, c'était une galère. À l'intérieur. Raph, c'est qui en bas? Ah bah je te vois, c'est Raph. Attends, reste là. Je te vois. Ouais, je te vois. Mais non. Si mec. Attends, je sais faire des trucs. Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai une petite livraison d'amour là. Dégage de chez moi. Tu délivres un peu d'amour là, un peu de love. Ouais, je t'entends bien mec. Attends, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fais-moi voir. Ah ouais, c'est trop bien, je peux faire ça. Oui mec. Tu vois? Ah, c'est stylé en vrai. Eh, hey, je peux faire un clip comme Orelsan. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Les gars, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la déco ici. T'es prêt ou pas? Oui, ça va. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va mettre les LED là-haut. Ok, je vais mettre les petites bandes LED. Alors attends, faut que je réfléchisse. Je vais le brancher comment? Ah, bah ouais. Ah ouais, c'est largement long en fait. Ah, c'est parfait. Putain, la taille parfaite, Pio. Mais dis donc, mais c'est vraiment le truc prêt quoi. Ok, bon, ça marche, ok, c'est cool. Bon les gars, je finis d'installer tout ça, finalement je vous laisse la surprise. On installe tout et on se retrouve direct après quand tout
c'était terminé. À d'autres. Les gars, c'est terminé, j'en peux plus. Il est quelle heure pire, les gars? Il est 5h32. Donc voilà, les gars, l'armoire, on l'a déplacé celle-ci. Et on a laissé en bordel exprès parce qu'on... Non, pas du tout. En fait, on est des menteurs. Juste, on avait la flemme, là, j'en peux plus, les 5h, les gars, j'en peux plus. Vous me pardonnerez qu'il y ait le bordel, mais en vrai, c'est dans le délire. Ça fait un peu en mode, oh, c'est le bordel ici et tout, on s'en fout, on monte vite là-haut. Comme ça, on vesquit la salle qui est hyper style au final parce qu'il y a beaucoup de consoles, vous allez voir. Bref, regardez du coup, ici, petit couloir, il y a des petites armoires, tranquille et tout. Là, il y a d'autres petites armoires. Bah, c'est quoi, on va faire la POV de quelqu'un qui vient ici. Bonjour monsieur, venez chez moi. Voilà, et là il ne crame pas, il se dit juste, oh t'as une belleté. Bon bref les gars, ce que vous attendez tous, est-ce qu'il y a... J'arrive, je suis mort. Vous avez vu la pute de con, je me suis fait chier les coups là. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Let's go. Bon les gars, vous avez vu du coup à quoi ça ressemble, c'est stylé, va venir, rentrer. Hein. Ça y est les gars, on est dans mon petit univers, la gaming room secrète, je kiffe les gars. Bon, on commence par quoi, le petit truc techno là-haut là. Elle est très pas mal, ok. Les petits masques ici, Mario, Luigi, ok, bon les gars, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, regardez là-haut comment elle est trop stylée, la petite box Nintendo. Ici là du coup, il y a la petite Switch que j'ai eu il y a pas longtemps, je suis trop content les gars, c'est ma première Switch. Là, bah les manettes, enfin bref, je vais pas tout vous montrer, il y a plein de trucs. Ce papier peint de merde là, on a galéré à le faire, c'était trop chiant, donc dites-moi dans les commentaires, le papier peint est trop beau. Voilà, là-haut, il y a la PS5, regardez, les gars. Là, ouais, tout là-haut, là-haut, là. Et là, c'est le canapé où on va pouvoir se détendre et jouer. Merci. Là, on va pouvoir geek, là. Franchement, je suis trop bien ici, c'est trop bien. Attends, viens à côté de moi. Regarde la POV que j'ai. Regardez comment je suis bien ici. C'est une dinguerie. Putain, la télé, elle est bien, hein. Elle est pas si loin que ça, au final. Bon, on n'est pas là pour jouer. Là, ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais appeler Raph et Seiya. Et je vais leur dire de venir. Comme ça, ils vont découvrir la pièce secrète. Ils savent que j'en faisais une. Ils ont vu l'extérieur, ils ont vu la télé et tout. Mais par contre, ils ont pas encore vu l'intérieur fini. Donc, je vais les appeler. Il est comme un gogo derrière. Approchez-vous. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans la gaming room secret? Non, il y a de la mousse acoustique là ou... Ah non, c'est du papier peint. Ouais, ouais. Bienvenue chez moi. Incroyable. What? Ah, mais quelle petite DSPS put. Mais quoi? Ça, c'est... Quoi? Il y avait vraiment une télé. Moi, je suis en mode, mais il fallait mettre une vraie télé. Quoi? Une télé au-dessus, il y a une vraie télé. Wow, putain, je vais mourir. Oh non, j'aime trop la petite ambiance. Voilà. Alors, vous aimez bien? Mec. Est-ce que c'est pas la meilleure que j'ai fait pour l'instant? L'autre, elle était gaze, on est d'accord, ouais. Comparé à elle quand même. Ouais, comparé. Mec, franchement, c'est propre de ouf. Mec, incroyable. Mais mec, genre, au final, la télé, elle est pas si longue que ça quand tu te poses. Hein. Ah ouais, non, ouais, en vrai, ça va. Ah si, elle est loin. Ouais, ça va moi. Putain, là, c'est un problème. Quoi? Si on fait le même. Non. Ah oui. Ah oui. Tout dévissé. Ah mais j'ai même pas la vis. Ah non. Oh, putain. Essaye d'ouvrir, essaye. Essaye d'ouvrir. Avec ta force, essaye. Comment ça? Vas-y, tire, ton ami. Comment ça avec ta force? Attends, pète pas les murs, frère. Ah, ça va? Non, mais dis pas, on est vraiment bloqué. Bah, frère, c'est. On dévisse. Eh non, frérot, le bouton, il est là. Trop. Bon les gars, je suis avec Joseph. Joseph, enchanté. En gros, je t'explique. Dans le local ici, il y a une cachette secrète. T'as bien ma nouvelle disposition ou pas? Ça? Ouais. Je crois que j'avais pas vu. Ah mais c'est toi. C'est ma nouvelle disposition. Toutes les étagères. Mais attends, mais t'as fait tout ça, non? On est d'accord? Une cachette secrète? Ouais. Non. C'est bien, mais il y a de la finition. Non, il a pas fait ça. Si j'ai fait ça, mec. Non, tu... Non. On est passé par là. Oui. Ici, peut-être à la limite, mais après, je sais pas. Ah. Non, mais attends, il y a un truc, il y a un truc secret ici. On est d'accord. Ok, bon, je te montre. Du coup, c'est ici. Pour rentrer, faut que t'appuies là, sur le bouton. Ah ouais. T'aimes bien? Stylé de fou. Putain, mais c'est trop stylé. J'avais oublié, je suis arrivé, je me suis dit... Attends, mais... Ah, mais il le sait pas encore, lui. Mais parce que je suis venu... Une fois hyper tard un soir. Oui, c'est vrai. Donc je me souvenais que t'étais là, Thomas. Là. Oui, c'est vrai, mais oui, t'es pas trop venu. Ah, bah parce que frère, t'as mis le point de vue. Ah, j'ai les mêmes à la maison. Tout le monde s'en fout. Là, je peux rentrer. Ouais, vas-y, vas-y, fais gaffe pour rentrer. Ah ouais, dis-le, envoyez ici. Mais t'as vraiment pas fait exprès au début. Mais je te jure. Parce que pourtant, là, c'est cramé. Tu dois avoir des doutes. Après, j'ai vu qu'il avait une fausse télé et tout, donc je me disais un peu. Elle te manque en tout cas bien joué, hein, clairement. Bah, si, merci, merci. Bon, les gars, j'espère que vous avez bien aimé ma cachette secrète. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi sur 10 combien vous la notez. Et en termes de beauté, comment vous avez kiffé. Et surtout, sur 10 en termes de discrétion. Est-ce que vous aurez trouvé dès le début, vous ou pas? Dites-moi, je sais pas. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, les gars. On est presque 300 000 abonnés. Je compte vraiment sur vous. Un max de pouces bleus. Et surtout, dites-moi s'il y a des trucs que vous voulez changer ou pas. Bisous, abonnez-vous.